Tracteurs de grande culture et d'élevage n'ont plus l'apanage des transmissions à variation continue, la preuve avec le nouveau SAM Fruteto CVT lancé la semaine dernière en Italie, un tracteur résolument haut de gamme par ce choix de transmission, mais pas seulement. N'est-ce pas Nicolas ? On va avoir une variation continue donc CVT, mais c'est plus qu'une variation continue puisque tout le tracteur au niveau de la cabine et de l'arrière a été retravaillé, que ce soit en hydraulique, que ce soit en structure de cabine, que ce soit en technologie, en ergonomie de conduite et notamment aussi au niveau du pilotage du tracteur. On va retrouver donc une variation continue, un accoudoir multifonction en cabine, premier tracteur spécialisé sur le marché à être équipé d'un accoudoir multifonction Maxcom avec un joystick réglable, un accoudoir réglable également. On retrouve donc un système hydraulique de 100 litres minute LS réel. Pourquoi réel? Parce que l'intégralité de ce système hydraulique 100 litres minute va être dédiée pour les distributeurs. Jusqu'à 5 distributeurs électro-hydrauliques à l'arrière et 4 distributeurs électro-hydrauliques à l'avant indépendants. Jusqu'à donc 9 distributeurs électro-hydrauliques indépendants. Aujourd'hui, avec ce Fruteto, nous sommes les seuls constructeurs à pouvoir proposer autant de distributeurs indépendants électro-hydrauliques. Nous sommes les seuls sur le marché à proposer cette solution. On retrouve une pompe de direction indépendante de 42 litres minute, totalement indépendante des 100 litres minute LS. Donc bien sûr, on connaissait le système Active Drive de suspension à roues indépendante qui est aujourd'hui adapté sur ce nouveau tracteur à variation continue CVT. On retrouve une toute nouvelle cabine avec une ergonomie donc premièrement au niveau du volant qui se redresse verticalement totalement et on va pouvoir réajuster le volant n'importe quel gabarit peut s'adapter à l'ergonomie de ce nouveau tracteur CVT Fruteto. Frein de parc HPB donc hydraulique ici pour maintenir le tracteur à l'arrêt sur un arrêt total. On retrouve donc, je vous le disais, l'accoudoir multifonction. Aujourd'hui on parle de révolution avec le Fruteto CVT dans le marché du spécialisé. La révolution passe par le premier accoudoir existant sur un tracteur spécialisé Maxcom que vous pouvez retrouver ici avec un réglage du joystick et un réglage également de l'accoudoir et de la position de l'accoudoir pour s'adapter au mieux à l'utilisateur. Qui dit variation continue dit mémorisation de vitesse avec deux cruises, dit mémorisation de régime moteur et donc une conduite fluide de 0 à 40 km/h avec une variation continue de la vitesse sur ce tracteur. Les relevages arrière donc électronique donc avec ce potentiomètre ici, ce fingertip, jusqu'à 9 distributeurs indépendants, je vous le disais, et 3 boutons programmables sur le joystick. L'utilisateur va pouvoir affecter n'importe quelle commande de l'accoudoir sur 3 boutons du joystick. Nouveauté aussi, Info Center Pro, couleur, avec gestion du confort type via l'Info Center Pro et via le joystick avec ce bouton sur le joystick multifonction. Cela va permettre de réaliser des demi-tours avec une combinaison de 3 outils par exemple en 12 secondes, ce qui sans cette gestion électronique est quasi impossible pour tout conducteur, même aguerri. Donc aide de l'utilisateur pour l'utilisateur via la fonction confort type. On retrouve donc également donc, la cabine catégorie 4 d'usine, qui dit donc cabine catégorie 4 dit pressurisation et sécurité optimale pour l'utilisateur, pour sa santé, à la pulvérisation. Aujourd'hui, c'est le système le plus performant pour préserver la santé de l'utilisateur, notamment donc aux travaux de pulvérisation. On retrouve une nouveauté également, le SDD, sur la gamme des tracteurs spécialisés, qui permet de réduire par 2 fois le nombre de tours de volant. On passe de 5,4 à 2,3 tours de volant pour avoir
une maniabilité maximale au champ, dans les vignes, lors des demi-tours. Donc aujourd'hui, la nouvelle gamme Fruteto CVT, on la retrouve en 5 modèles différents et 2 motorisations, donc 90 en 3 cylindres, 90.4 en 4 cylindres, 100 en 3 cylindres, 105 et 115 en 4 cylindres. Donc on va pouvoir s'adapter aux exigences et aux attentes d'un maximum de viticulteurs avec 2 empattements différents, un pour le 3 cylindres et un pour le 4 cylindres. Donc tracteur qui va pouvoir être équipé donc, du pont avant suspendu à roue indépendante Active Drive avec toutes les technologies qu'on connaissait déjà, anti-dive pour limiter le cabrage et l'affaissement du capot au freinage et à l'accélération, donc anti-dive et anti-rise. Roue indépendante, qui dit roue indépendante, dit contact à 100% avec le sol dans n'importe quelle condition et donc traction maximale et confort pour l'utilisateur final maximal également. On les retrouve donc ce pont Active Drive, que ce soit sur la version 3 ou 4 cylindres, on va pouvoir retrouver le pont avant suspendu en roue indépendante Active Drive. Pour continuer sur la suspension, première cabine sur un tracteur spécialisé à être suspendue aujourd'hui, on retrouve la première cabine suspendue sur hydrocylindre bloc pour allier donc confort via le pont avant suspendu, mais aussi grâce à la cabine suspendue sur hydrocylindre bloc. Aujourd'hui, en termes de confort, on est sur quelque chose qui sur le marché n'existe pas. Confort, sécurité, maniabilité, ergonomie de travail, c'est vraiment la révolution et la renaissance des tracteurs à variation continue et notamment des tracteurs spécialisés aujourd'hui sur ce segment-là. Donc on parlait de moteur Farmotion, donc moteur groupe. Il faut savoir que tout ce tracteur pour l'intégralité est conçu par notre groupe, qu'on parle de moteur, de pont avant suspendu, de cabine, de transmission, c'est un tracteur à 100% groupe, moteur Farmotion, avec un système de refroidissement en aluminium pour dissiper la chaleur au maximum et avoir moins de poids sur le tracteur, et également un Evisco, donc un ventilateur intelligent qui va refroidir au mieux et instantanément le moteur du tracteur. On parle moteur et de transmission, exclusivité aussi avec le Power Zero qui permet donc de stabiliser le tracteur à l'arrêt. Plus besoin d'appuyer sur les pédales de frein lorsque l'inverseur est engagé. Le tracteur, même avec une charge derrière en pente, se stabilise tout seul. Il n'y a plus qu'à réaccélérer pour que le tracteur reparte. On appelle ça donc technologie Power Zero sur notre gamme CVT aujourd'hui Fruteto. Ce tracteur CVT Fruteto en 3 ou 4 cylindres avec toutes les nouveautés, j'insiste vraiment sur ce point, ce n'est pas qu'une variation continue, c'est vraiment un tout nouveau tracteur, est disponible dès aujourd'hui à la vente. Vous pouvez dès à présent demander une proposition à votre concessionnaire local qui pourra vous livrer le tracteur à partir du mois d'octobre 2018.